d'abord bonjour. Le saviez-vous? À Québec, on a une dame qui a été reconnue dans les contes et légendes du Canada français. C'était une femme extraordinaire. Madame Annie Girard, surnommée Tante Annie, fut au début de la colonisation de notre paroisse une femme extraordinaire. Acadienne pureline, elle mariait à M. Joe Girard. Et comme bien d'autres Acadiens, ils eurent plusieurs enfants, dont voici quelques noms dont je me souviens avoir entendu parler. Albert, surnommé le loup. Dorila, un pêcheur. Puis Annette, il ne faut pas oublier une chose, elle était une femme de cœur, une femme dévouée pour les autres. Annie, de son nom de fille, était une déchaîne. Alors beaucoup de gens de la région ici sont parents avec elle d'une certaine manière ou d'une autre. Comme bien d'autres, ils se bâtirent un camp en bois rond, ils élevèrent leurs enfants. Mais un beau jour, le père Melançon vient les voir dans la nouvelle colonie et demande à Mme Girard s'il serait possible d'avoir un endroit où ils pourraient commencer à penser à pouvoir avoir un lieu de prière. Mme Girard lui offrit donc son camp comme cadeau avec une partie de sa terre afin qu'ils aient un lieu de prière. Le père Melançon lui dit merci de ce cadeau extraordinaire et en guise de remerciement lui promit que dans la prochaine première chapelle, première église qu'il bâtirait, qu'il aurait le cinquième banc gratuitement à longueur de vie. Après avoir vu la générosité de ce couple, le père Melançon dit à Mme Girard qu'elle serait la sage-femme de la région. Elle a dit non. Non, mais vu l'insistance du père Melançon, elle n'avait pas le choix, elle a dû accepter. Et il lui remit une médaille, le père Melançon, dont je vous ai ouvert tantôt la photo. Il lui a dit, « Annie, tout ce que tu feras avec cette médaille, réagis à ce que ton esprit te dira. » Ça veut dire, si ton esprit te dit à gauche, va à gauche. Si ton esprit te dit à droite, va à droite. Alors Annie a dû accepter. Il faut se rappeler qu'à cette époque, il n'y avait pas de docteur dans notre région. Alors Annie devient donc sage-femme. Elle aurait mis au monde au-delà de 1000 enfants. Même du temps où le docteur Marchand, notre premier docteur, est arrivé dans la région, les femmes disaient tout le temps, si Annie serait présente, ça serait moins dangereux, car il avait une confiance extrême en elle. Annie était une femme de 5 pieds 6 pouces, assez corpulente. Elle portait toujours une robe noire, puis elle fumait la pipe de plâtre. C'était quand même assez rare, même à cette époque. Annie, pour les intimes, était toujours prête à rendre service à toute heure du jour et de la nuit. Comme disent les anciens, elle avait une cataplasme pour toutes sortes de maux. Voici donc une anecdote à son sujet. Un jour, un homme se présente chez elle avec et lui dit, « Madame Girard, j'ai été envoyé ici par Madame Savoie de l'hôtel qui m'a dit que vous pourriez me guérir. Je mouille mon lit. » C'est quand même très, non pas, très, c'est pas intéressant du tout pour un commis voyageur parce qu'il doit dire à chaque endroit où il visite qu'il mouille son lit. Madame Savoie lui dit, ben pourquoi tu ne vas pas voir Madame Girard? Mais elle lui dit, j'ai vu tous les docteurs possibles et impossibles à New York, puis ils n'ont rien pu faire pour moi. En fin de compte, il se dit, je n'ai rien à perdre, je vais aller voir Madame Girard. Le jeune homme ayant tout essayé, avancé les médicaments possibles, il se résolut à aller voir Madame Girard. Annie lui dit, moi je ne peux pas rien faire pour toi mon jeune, mais la Sainte Vierge peut tout. Plusieurs années passèrent et un beau jour, le commis voyageur revient voir Annie Girard et bien argenté, il lui dit, « Madame Girard, j'ai suivi votre conseil. Vous m'aviez dit d'aller au ruisseau en arrière de l'hôtel pendant 5 matins à l'aube du jour, me saucer à l'eau par-dessus la tête et aujourd'hui, je suis guéri et étant bien argenté, j'aimerais vous offrir 50 $ qui à l'époque était une fortune. » Annie lui dit, je n'ai rien fait pour toi, mon jeune. C'est la Sainte Vierge qui a tout fait. Le jeune homme, comme un voyageur, lui remit quand même 10 $, qui était à l'époque une petite fortune. Un accouchement à Maltais en 1918. Monsieur Mathias Carlier savait que sa femme attendait un enfant qu'il fallait aller chercher la sage-femme.
Mais quand, un bon soir d'hiver, alors qu'il faisait une tempête à écorner les bœufs, il se doutait que ça arriverait. Et vers la fin de la soirée, c'était le temps d'aller chercher la chasse-femme. Il partit donc à pied pour aller réveiller son voisin, M. Abraham Maltais. En arrivant chez lui, celui-ci avait tellement de neige qu'il ne voyait plus la porte d'entrée. Il a dû aller à la grange, passer par le trou du fumier et prendre une pelle pour venir pelleter la porte de la maison de M. Maltais. Après avoir réveillé son ami Abraham, ils attelèrent les chevaux pour aller chercher Mme Girard. Ils ne furent de retour que tard dans la nuit, car on ne voyait ni ciel ni terre à cause de la tempête. C'est quand même un voyage de 6 000 aller-retour. Annie se mit au travail dès son arrivée. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle le faisait très bien. Elle mit l'enfant au monde en peu de temps. Elle portait toujours sa médaille reçue du père Melançon. Elle touchait toujours les femmes avant de commencer à les examiner. Après l'accouchement, on lui servait une bonne tasse de thé chaud et des toasts. Il ne restait à Nick à manger un raisin brun pour en retirer le noyau et déposer le tout sur le nombril de l'enfant afin qu'il ne sèche pas trop vite. C'était très important à l'époque. Après, on la ramenait chez elle en la remerciant. Si Annie devait soigner une personne qui ne mangeait plus depuis quelques jours, elle prenait un blanc d'œuf, une pincée de sucre, mélangeait le tout et forçait la personne à tout boire. Après quelques heures, la personne retrouvait le goût de manger. C'est quand même spécial. On pourrait continuer de vous raconter pendant des heures ce qu'elle a pu faire pour soulager les gens. Toujours Annie avec la médaille de la Sainte Vierge. Mais avant d'en conclure, je vous en rencontre un autre. Un monsieur Saint-Onge qui travaillait dans un moulin, assis, se fait couper le bras en entier. Tout de suite, on l'apporte chez Mme Girard. Elle regarde ça, prend une partie de son tablier de table et prend dans l'étable de la boue de vache pour lui faire un cataplasme. Elle rattache le tout bien serré et lui dit de revenir la voir dans 3 jours. Mais M. Saint-Onge, souffrant de 7 martyrs, revint la voir au bout de 2 jours, ne pouvant plus tolérer la senteur et le mal. Elle lui refit la même chose durant 3 autres occasions. Après quelque temps, M. Saint-Onge retrouva l'usage de sa main comme si rien ne lui avait jamais arrivé. Même de nos jours, avec la science qu'on a, c'est presque impossible à réussir si peu de temps et avec si peu de moyens. Voilà pourquoi je dis que cette médaille du père Mélançon faisait des prodiges, sinon des miracles. Annie savait aussi préparer toutes sortes de médicaments pour tel ou tel bobo. Elle employait certaines herbes et mélangeait le tout pour finalement en faire des médicaments qui, selon les anciens, faisaient effet. Elle savait aussi faire du très bon vin de pissenlit, du vin de betterave. Annie n'avait rien à elle. Si quelqu'un avait besoin d'un chaudron, elle lui prêtait volontiers le sien. Tous ceux et celles qui ont connu cette femme extraordinaire ne nous disent que du bien. Pour tous les problèmes des gens, elle avait toujours une solution adéquate. Celles qui ont été accouchées par Annie disent qu'elles n'ont jamais connu de meilleur accouchement, sans douleur et sans médication. Aujourd'hui, on pourrait dire mille et une choses de cette femme qui, à la demande du père Mélançon, a sauvé plus d'une vie au cours de sa vie. Aujourd'hui, si j'ai pour vous le plaisir de vous montrer la médaille et la pipe qu'Annie avait eue de Mgr Mélançon, c'est grâce à une de ses petites filles, Sylvie Girard, qui était la fille à Gilles Girard, à Dorilla, qui était le fils d'Annie. C'est quand même triste, après tout ce qu'elle a fait, cette femme, pour les autres. Devenue vieille, personne ne pouvait la garder. Il faut se rappeler qu'à cette époque, tout le monde avait de grosses familles et l'argent était très rare. Alors, on a dû se résigner à la placer dans le seul foyer pour personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer au lac Saint-Jean dans le Québec. À sa mort, à l'âge de 82 ans, en 1948, son fils Albert, surnommé le Loup, est allé la chercher avec son auto, mais avant, il a dû avoir un permis spécial pour la porter à Québec. Donc, je vous ai apporté une copie. Aujourd'hui, en 2023, je demande à Annie de continuer à veiller sur nous, car aujourd'hui, plus qu'avant, on a besoin de personnes comme Annie pour encourager les gens à rendre service.
comme elle a si bien fait tout au long de sa vie. Je tiens aussi à remercier Sylvie pour nous avoir prêté, avec sa générosité, la médaille que Mgr Melançon a donnée à Annie, qui, selon moi, est une médaille qui a fait des miracles. Merci, Annie, au nom de tous les descendants d'Échelle et Girard et à tous d'autres qui ont eu la chance de te connaître et d'avoir des services bénévolement. Repose en paix, ton ami Maurice Babylon.